L'ISO 31000 ne conduit pas à une uniformisation du management du risque. Cette norme fournit un cadre commun pour la gestion des risques. Elle explique quoi faire et non comment faire. Les pratiques dépendent ensuite des types de risques ou des secteurs d'activité. La norme apporte un vocabulaire commun et une approche commune, permettant ainsi d'agir ensemble. En effet, le management du risque n'est jamais une activité isolée et les décisions sont souvent issues d'arbitrage. La norme précise ainsi le rôle des nombreuses parties prenantes de la gestion des risques. Il est en effet essentiel de connaître la responsabilité des acteurs du management du risque.